me filme pas. Laisse tomber, j'ai dormi 2 heures. Oh. Oh là ça là. Va, Axel. C'est un carnage. Faut être fou. Non mais arrête Axel, arrête, tu te fais mal. Non, je vais leur faire mal. Là je te dis, si je t'ai dit de venir, si je te dis viens, oh. Si je te dis viens, c'est... Ceux-là, je les adore, ça c'est ma hauteur préférée. Oh non, l'eau c'est trop pour nous, ça en tire pas, là-bas mon poste on tire pas. Si on se cache bien, qu'on se baisse bien dans le poste, c'est mort. Par contre, il va falloir être... Ils sont... Je sais pas ce qu'ils ont cette année, hein. J'ai jamais vu ça. Ils ont un œil de lynx, mon gars. Oui. C'est la première année que je vois ça. On va mettre trop. Écoute, écoute, putain. Quand j'entends ça, ici, quand j'entends le vent taper dans les feuilles, puis que là, il n'y a pas un pet de vent. Et là, c'est quitté. Là, moi, c'est ça, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils se battent. Je veux pas les gros voliers, là. Tu verras le soir quand ils reviennent se coucher. Ils arrivent à 600 mètres de haut, puis ils tombent comme des pierres, là, juste devant là où tu vois la voilure. Comme des pierres. On va déjà aller installer un coco. Tiens. Ah oui. Tout perché, t'es mieux. Tu peux la filmer, tu as oui. Donc voilà. Une palette toute simple avec une corde, une poulie. Je te montrerai après un peu. Enfin, tu vas très vite comprendre l'efficacité. Alors ici, chaque pigeon a sa place. Hein. Tu les as testés avant ? Ils sont tous habitués à tel endroit parce qu'en fait, c'est... Si tu veux... Donc tout simplement, tu vois, tu prends ça. Tu vas voir là-haut, tu verras bien l'amplitude. Ouais, chaque pigeon a sa place parce que bah, je sais pas pourquoi ils tiennent mieux à certains endroits et ils sont plus habitués par rapport au bruit qu'ils font. Tu vois, au claquement. On a des pigeons là, on a besoin sur le côté gauche quand ils filent à droite, on a besoin d'un pigeon qui claque fort, donc on met toujours un très gros pigeon qui est habitué à être sur l'extérieur. Après là-devant, il faut que ce soit un peu plus calme, on met des petites femelles, des plus petits pigeons. D'accord. On est arrivé extrêmement tôt. Il faut savoir que ici, contrairement à beaucoup de gens, le lever du jour, tout ça, c'est jamais exceptionnel. D'accord. Jamais, jamais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Par contre, pareil, différemment à d'autres endroits, ici, c'est très, très, très bon l'après-midi. 13h, 15h, souvent, c'est la meilleure période. Et ça, ça a changé il y a quelques années. Pourquoi ? Je suis incapable de l'expliquer. Toujours le même principe, mais une autre forme. C'est pour éviter d'abîmer les queues des pigeons, celui-là. Comme on met souvent un ramier, la palette est un peu excentrée et ça évite d'abîmer la queue des ramiers. Parce que les bleus, les queues sont assez résistantes, mais les ramiers... Hop. Tu me quittes. Et il est casqué, celui-là. Ouais. Oh, bah, c'est un que j'essaye, alors attention. J'en essaye tout le long de la saison, alors... On va bien voir ce qu'il réagit. De toute façon, celui-là, il sert de patineur, il va très peu bouger. Alors là, c'est... Il lui connaît sa place. Ça, c'est sa 7e saison ici, celui-ci. Voilà. Hein ? Et donc ? Tu vas voir, ça va faire ça. Tu vas voir, on va le monter, tu vas pouvoir filmer tranquillement. Si jamais je vois qu'ils sont un peu réticents à la pose, on a des toits. On a des éléments qu'on vient poser au-dessus. D'accord. Et comme ça, quand ils arrivent, on se camoufle dessous, puis ils viennent carrément à la pose. Ça, c'est les journées où on décide de tirer que poser. Ouais. Ça nous arrive. On copie un peu nos amis du sud-ouest. Et puis, c'est bien utile pour cacher les sacs. Tout le système, toutes les cordes. Tu vas voir le pigeon là-bas devant. Tu vas voir après. Là, tu te dis, mais comment on fait la pelle ? Tout le monde se pose toujours la même question.
Voilà, le pigeon est arrivé au sommet, pas de problème. Je fais bêtement un nœud pour arrêter ma corde là-haut. Hein, voilà. Et ça, voilà, la grande chance c'est que ça claque fort comme ça. Et à l'appel, c'est monstrueux. Là, les conditions de lumière ne sont pas top, je pense, non? Exactement, c'est un peu sombre. Regarde, tu vois bien là? Ouais. Ouais, vas-y, encore. Impeccable. Et ton fusil? Juxtaposé, chapuis. Toujours chassé avec des juxtas. Ouais. Ça fait combien d'années que tu as ce poste? Ici? Oui. Fin des années 90. En fait, c'est un bois où tu n'avais pas besoin forcément de palette. Et les anciens, tu sais, ils n'étaient pas fans de tir au vol, ils étaient à tous opposés. Oui. Et c'est un bois où ça pose naturellement. D'ailleurs, tu l'as vu en arrivant, ouais. Il y avait plein de bois. Ton installation, ça fait combien de temps que tu... Qu'elle est comme ça, là? Oui. Dans cette configuration-là c'est la sixième année qu'elle est comme ça. Bon, il y a eu des petits travaux entre deux, mais c'est la sixième année. Mais sinon, réellement, que je chasse à la palette ici, ça fait depuis... Avec les palettes, 2005. Enfin, au début, j'étais au pied d'un arbre avec un simple filet. Je marchais sur des cartouches, ouais. On va dire. Après, on C'est pour savoir comment tu as disposé tes palettes. Ah, bah, ouais. C'est l'observation. C'est arrivé là. Et t'as fallu combien d'années? Mais je le savais tout de suite, il m'a rien fallu parce que le bois, dès le début, je savais que ça rentrait de là. Ouais, mais en là, fait, c'est l'axe. Ah, pour vraiment le positionner là. Ouais, parce que là, tu viens de me dire, non, mais là, on l'avait pas mis, c'est la première fois. Ah, la palette, tu parles là-bas. Oui. Ah oui, parce que celle-là, bah, les palettes, on s'en rend compte par rapport au vent, des fois, il manque un pigeon. Hein. Tu sais, il y en a qui chassent à la palette, si tu es dans un endroit où ça va bien, ils viennent naturellement, tout ça, bah, t'as pas trop de difficultés, mais il y a des journées où tu chasses le pigeon, ils ont pas la gueule à venir. Bah, c'est un peu comme à la hutte. Hein. Quand tu as du gibier d'arrivage qui est con comme une bite, si tu es bien blété, que tu as un minimum de bétail qui marche, bah, ça va tomber dans tes lignes. Et puis bah, après, quand c'est du gibier qui a déjà 2-3 jours qui s'est fait cogner la tête, eh ben, tu as intérêt à être plus fin. Bah, au pigeon, c'est pareil. Voilà, d'accord. Tout simplement. J'ai pas d'autre explication à te dire, mais c'est tout simplement ça. Et le pigeon, contrairement à ce que beaucoup pensent, d'ailleurs, nos amis du sud-ouest en sont la preuve, si tu veux en faire. Pas forcément des gros tableaux, mais régulièrement, tu es obligé de t'adapter aux saisons et à l'avancement. Tu vois, là, on chasse qu'avec des bleus, après, on chasse quasiment qu'avec des ramiers. Parce que là, les bleus, pour l'instant, ça va encore, mais ça va durer, je te dirais, encore jusque Noël. Après, janvier-février, t'as intérêt à être beaucoup plus fin. Surtout ici. Parce que normalement, ici, je t'avais déjà dit, ici, on a les pigeons qui sont là devant en permanence. On n'est pas approvisionné par de la migration ici. J'ai fait une connerie. On n'est pas approvisionné du tout par de la migration. Au mois d'octobre, il en passe, voilà, je suis d'accord. Mais après, nous, c'est vraiment une population stagnante qui est devant. C'est complètement différent de chez Axel, tout ça. C'est incomparable, incomparable. C'est un peu comme certains qui chassent sur Chantilly, tout ça. C'est des oiseaux qui sont là. Une fois qu'ils sont là, bah, tu les chasses. Voilà. Allez là. Bah, un peu comme sur Berneuil, sur tout ça, ouais. C'est pareil, hein, c'est les pigeons de Beauvais. Nous, on est alimenté après par le gros dortoir de Beauvais qui actuellement est historiquement à craquer, on va dire. Et t'as fallu combien d'années pour être vraiment au point? C'est-à-dire savoir exactement. J'y suis pas encore. Ah, tu n'es pas encore au point? Bah non, parce qu'il y a des vents où bah, on se prend des sacrées culottes, on en voit, on se prend des sacrées culottes, c'est l'ouest. Quand le vent il arrive de là en face et on ne trouve pas la solution. On a essayé, on a mis des cordes en bas, on a tout essayé. On n'arrive pas, on les fait venir, mais on n'arrive pas à les faire rentrer au poste, on les tire pas. On en tire 10%. Tu peux en voir des milliers dans la journée, puis tu vas en faire que une petite dizaine parce que bah ça rentre pas. D'accord. Voilà. Donc non, t'es pas encore au point. De toute façon, t'es jamais au point. Puis t'en apprends tous les jours. Moi je demande que ça d'apprendre. Impeccable, tout est prêt. Bon, j'arrive. Putain, pas de fusil.
Posez, regarde, regarde, Christophe, posez, posez. Ouais. Il est posé, regarde-le, regarde-le. Regarde, il se renvole. Ah oui. Magnifique ça. C'est beau. Installe ton sac, on va chercher. Malo. Ça va, Malo? Regarde dessus, regarde dessus. Ça va venir, ça va venir. T'as des cartouches. Ok. Axel, mets ta cagoule. T'inquiète. On se prépare. Je m'installe. Moi aussi, je m'installe et après on s'énerve pas, on fait pas les kékés. Non, ça sert à rien. Les deux cartouches. Vaut mieux louper un pigeon ou deux. Il y a un moment où chacun d'entre nous doit choisir. Les gens comme nous ont été rabaissés, mais plus maintenant. Que la chasse commence. Bah, tu vas là, tu vas. Vas-y. Putain, j'ai tiré ça. Non, j'ai vu que c'était les clés. Genre, on a branlé, t'occupes. Regarde, tiens, tu peux filmer Malo au retour, il va arriver. Bon, allez. Ça vient, accouche, accouche. Il a vu. Je sais. Bah ouais, mais j'attendais qu'on tire à chaque fois. Ouais, bon, bah d'accord. Faut pas faire de lit, fallait le tuer. Bah oui, je l'avais. Attends, je vais voir comment ça va. Oh, comment ça va. T'es deux fois derrière. Ouais, deux fois derrière. Mais j'attends les autres, j'ai dit putain, si on en tire à chacun. Non, non, vas-y, tire. Bah ouais, bah écoute. Premier mort, premier posé. D'accord, pas de soucis. Faire des plumes de la queue, je suis derrière. Putain, putain. Bah ouais, mais oh, putain, waouh. On... Il posait. Bah ouais. Ceux-là, un bon coup, il posait. Vous avez vraiment, ils avaient même. C'est même avant que tu le tires. Ouais. Il rentre pour la poche. Regarde ce volier qui rentre. Devant. Comme des pierres. Attention les vlogs. Les vlogs. Les vlogs tous. Tu les vois? Non. C'est devant nous. Oh mais cool là. Tout le tailleur venait bien. Ah oui, oui. Ouais, ah si les vlogs. Il y en a. Sur un vlog en devant. Baissez-vous, les bleus. Comme des teubés. Mais tu le vois. Attends, c'est à toi de tirer. Non, on s'était dit mais sur je les. Tu sais pas. Bah si, tu m'en dis, j'attends. Mais pourquoi tu tires pas, putain? Mais arrête de te poser des questions. Arrête, vas-y. Ah oh, t'es non, grave là. Ah bah oui, je suis grave. Oui, je suis grave. Attends, moi je peux pas. Tu vois bien qu'il y a putain de monde, je vois rien du tout. Mais t'as pas vu ce qui arrivait derrière? Viens Malo. Putain. Tu peins là? Bah non. Je suis vert. Je suis dégoûté. C'est pour ça que j'étais épaulé, j'attendais que tu tires. Mais j'y fais quoi? Oh non. Moi je pensais que tu les voyais, je pensais qu'on mais avait... Mais non, je t'aurais dit à deux pans tout de suite, j'aurais même pas entendu. Putain. J'en ai deux. Pas, faut pas j'en... parler. Bah, là, pas tu parlé. Pouvais pas parler. Bah non, mais je pouvais rien te dire. J'étais trop près. Il est mort, il vous a vu. Il vous voit. Si vous tournez comme ça... Vas-y. Non, je t'en prie. Si vous faites ça, il t'a vu. Ouais. Il faut arrêter. Il est au-dessus. Vas-y, il est au-dessus. Il est au-dessus. Faut arrêter de bifurquer comme ça, il vous voit. Si vous bougez comme ça, il vous voit. Faut plus que tu bouges, ça. Tu ne bouges pas, je te laisse les piquer comme ça. Ça arrive, hein. Développe. Baisse-toi. Baisse-la, développe. Alors, attention. Putain, quand même. J'ai du mal, mais. Putain, ils sont créatifs, hein. On a intérêt à faire. Mais parce qu'ils nous voient. Ils nous voient. On tu, veux pas, tu veux pas remettre des branches devant? Juste là devant, 2-3, ça nous prend 5 minutes. T'en tues pas un dehors? Hein? C'est bien, tu prends un peu de plume. Ouais. J'ai essayé de reprendre un derrière, mais. Je suis bien calme, je t'ai cherché là. Et là, je le plume à l'autre, je sais pas. Derrière toi. Putain, je rate ça, mais c'est pas possible. Mais Axel, pour que tu quittes le poste, il se pose. T'inquiète. Bon, j'y vais voir. Faut que je bouge les implants, que je les vois avant. Maintenant, je regarde là-bas, il va prendre les yeux. Ça vient. Continue. C'est continue. Bruit de vol. Il y avait une grosse bande, ils ont suivi la grosse bande. Oh, regarde ce qui rentre. Je te l'ai dit, il y avait un gros volier derrière.
Regarde à droite, à droite, à droite. Oh là là. Eh, hey, tu sais quoi, Axel, il a pris une carte à la LPO. Non, non. Ouais, non, mais il est raté non, quand même. Non, regarde, il tombe. Ah non, il tombe pas, je le vois là. T'as tiré aussi? Eh, ouais, il est mort. Mais j'ai tiré, sur. Ah bon? Ah, d'accord. Ah oui. Au revoir. Je me méfie maintenant. Viens, Oh là, tu merdes. Pourquoi t'attends au-dessus de toi que tu tires pas loin? Viens, Malo. Putain, tu l'aurais mieux, ta gerbe est plus belle. Là, tu le tires au-dessus, ça fait mal, il est à 20 mètres. Viens. Viens. Tu le touches au deuxième, tu suis. Devant. Oh, 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 oh. Oh là là. Ça casse. On se baisse, on se baisse, on se baisse. On bouge plus, on laisse faire. Bougez pas, bougez pas. Deux, doublé, 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 regarde-le. Doublé là-bas, ouais, au loin. J'arrive à en faire quand même dans la bande. T'en fais un? Ouais, je peux tirer avec une cartouche. Tu sais où il est? Vas-y. Il est tombé là, là. Tombe là. Il est pile, là. Bon, vas-y, tu vas que le tien. Trop de moi. Et puis après, il y en a un. Viens là, Balou, viens là, on va chercher l'autre dehors. Il y en a deux. Viens là, viens là, viens là, viens. Viens, 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 viens. Dehors. Putain, je vois pas où il tombe, par contre. À pas. À pas. Ah, il est là. À pas. Massacre de la VHD. Bon bah ça va, on rattrape un peu. Vas-y explique. C'est là que je parle. Bourgrosse, 32 grammes en 5. Cleaver. Celle-là en premier coup. Franchement très efficace. Puis Bosso, tout le monde la connaît. Il y a même besoin d'en faire la promotion. Et Mirage. T3 Mirage. Téréo, 29,90 sur le POC 200. Vive la pub. 400 mètres et... Oh, ils sont à 400 mètres, facile. Hein. Quand ils les appellent, ils sont là-haut de l'autre côté derrière. De l'autre côté, là-bas sur la crête. Ah ouais. Je vois un coup d'aplomb, je les ai vus, ils ont tourné droit là, tout le monde. Ah non, mais... S'il n'y a pas de vent, ça serait, je te dis autre chose, qu'il faut voir ici quand ça vient vraiment. Mais t'as vu déjà, ils ont mieux travaillé que tout à l'heure. Ah, ils sont rentrés droit là. Tout à l'heure avec le vent, ça avec deux pigeons, t'arrives à les dévier. Ouais. Donc ça sert à rien de mettre plein de pigeons. Ça dépend ce que tu veux faire, la finalité que tu veux faire. Après, j'aurai une cabane, on sera assis dedans, tu veux les faire poser, à mon avis, tout poser, tu auras intérêt à en avoir plus. Puis comme il disait tout à l'heure Axel, en avoir un au sommet, ça te permet d'aller chercher Corte plus loin. Mais là, le gros avantage qu'on a, c'est qu'en fait, ici, tous les pigeons rentrent dans le vallon. Mmh. Donc dès qu'ils sont là en face, ceux-là, ils les voient. Tu es là-bas en face, à 600, 700 mètres, tu le vois. T'as qu'à aller à pied, il y a un chemin communal là-bas. J'ai déjà fait le test. Hein. Tu mets quelqu'un là, tu l'appelles au téléphone, bouge les aplans, du sol, tu les vois. Alors eux, de là-haut, je te raconte pas. D'accord. Loin. T'attends. Attends. Non. Si, si, ah, attends. Si, attends. Tombe. Là. Regarde la grosse bande. Christophe, Christophe, bouge pas. Ne bouge pas. Là. Ah oui d'accord, oh, non, c'est bon. Non, bouge mais... pas, on bouge pas. Christophe, tu bouges pas surtout. Non, mais attends, il y en a d'autres à gauche, Axel. Là. C'est d'ailleurs.
Non, il tombe, là, je pense qu'il va tomber. T'avais dit que c'était un rapport, j'ai bien vu que c'est pas nous qui l'ont vu. Donc là vous avez eu le spécimen autour des palombes. Tu les auras demain ça? Ouais, non, demain c'est fini, tu reviens pas là. Deux jours au-dessus, c'est mieux. Interdit de toute façon ici, développe droit là. Je les vois pas. Ah oui, regarde là, putain. Qu'est-ce qu'on fait, Rosebès ou quoi? Putain. Faut tirer qu'à coups. Sont même trop. J'essaye de reprendre après, mais c'est mort. C'est mort. Bon ben bonjour à tous. Hein. Nous sommes en direct d'une chasse vegan. Donc, mes véganiens préférés, les voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, laisse tomber. On n'aura pas de protéines aujourd'hui. Hein. Si. Ah putain, encore à droite. Ouais, là. Bien joué avec cette deux. Super. Chacun de l'autre. Là, bravo. C'est beau. Là, c'est beau. Là, je suis content. Ah, on va peut-être se mettre en marche. Ça, c'est rentable. Quand on commence à en tuer. C'est bien, regarde. Regarde, tu es beau. Bien, tu mérites bien. Oh. T'es vraiment un chien, moi. T'en as ramené déjà cette année. Ouais. Il me faudra un pigeon derrière le merisé. Ou là-haut dans le frêne. À droite? Ouais. Ah, mais on a déjà essayé, il n'y a pas d'aplomb en dessous, faut tout couper. Avec mon système, faut tout couper. Tu peux pas monter le pigeon. Oh putain, regarde au-dessus. Je les vois pas arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ici. Casse-le, pigeon. Comme des pierres. Bien joué Axel, super. Là, bravo, c'est bon. Là, on a pour toi, devant. Devant. Là. C'est toi qui as tiré, mais bien joué. Non. T'allais dire. Hey, il a les corps pas continuer. Il a les corps faire un putain de crochet. Qu'est-ce que c'est de ma prime? Attends, ça capte ici. Ouais, non mais... Attention. Bien joué, Axel. Oh, il y a un problème. Ouf, j'ai eu peur. Putain, il tourne. Oh là là, non, c'est les pions. Pour les moineaux. Mon cœur avait fait un tour. Regarde derrière la bande. Oh putain, la grosse bande. Attention. Il y en a un qui arrive. Ça va poser. Celui-là, il est tombé. Oh, l'autre, il s'est pendu. Attention. Il va falloir tirer parce que là, on va rien tuer sinon. C'est bon.
Attention, devant, devant. Devant, devant. Vas-y, Malo, va chercher. Un coup de ramier, t'as vu, il est venu celui-là. Allez, go. Et c'est reparti dans un autre endroit. La li la la la. Alors, pour voir si c'est un vrai bleu de Gascogne, il suffit de regarder ici. Il faut que les plumes soient toutes grises. Et tous ceux qui sont croisés aujourd'hui, alouettes de Cobourg, un peu voyageurs ou plusieurs sortes de pigeons à viande, et bien ici, ils sont tout blancs. Vous levez, les plumes ne seront pas grises, elles seront blanches. Ça, c'est de vrais bleus de Gascogne. Pas photo, hein. Eh, là, je te mets ça, regarde, tu te fais avoir, hein. Ah, à gauche c'est le bleu et là c'est le. Non mais voilà. Et à droite c'est le. Ouais. Ah tout seul, putain c'est. Je l'avais vu avant celui-là. Le Jack il était là. Les blas, les blas, les blas. Regarde, regarde, regarde. Garde au-dessus, garde au-dessus. Oh là. Là à droite, à droite. Ça va revenir à droite. Ça pique devant. Oui. La bande a piqué. Viens! Attention, devant, devant! Devant, devant, ce sera. Putain, je peux bouger plein de branches. 21. Qu'est-ce que va, s'il m'a pris? Filme, Christophe. C'est bon, c'est pris. La sauce tomate, elle est prise. Ah bah mais... Ah tu tiens un poil trop tard. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, ça prend, ça prend. Attends, bouge plus ton pigeon, bouge plus ton pigeon. Prends ton fusil, ça part comme une pierre, vas-y, tue toi. Alors, mon père. Bouge. Bye. Putain, non mais vas-y, vas-y, vas-y. Attends, attends, encore un, à droite, à droite. Attends, attends, attends. Bah, je sais, tu me dis attends, à droite, pourquoi à gauche. Pourquoi t'as pas poussé? Mais tu me dis, mais tu... Putain, j'allais tirer à droite. Ah bah à droite, il était zéro à côté de celui de gauche. Je demande à Christophe, celui de gauche, j'ai pas poulet de bosse, quoi. Oh, putain, oh, bah oui, mais je sais, mais quand je pars sur un pigeon, moi, faut pas me... Ouais. Ah mais non, mais... T'occupe pas, il tombait, hein. Je te garantis que je l'avais bien. J'étais sûr de moi. Oh ouais, mais l'autre c'était un poulet de bosse. Bah, c'était un poulet, mais après c'est mort. C'est mort. Faut pas comme ça, il tombe. Et il vient là. Là. Tais-toi, taisez-vous. Mais c'est dingue. Faut pas parler. Ils vous entendent. Dans le frêne. Garde mon coup de fusil. Ah non mais je le vois. Garde. Non mais je le vois, je le vois. Pourquoi il s'est pas poussé? Eh, je le crois qu'il se barrait. Ouais. Il se barrait. Non mais il se barrait. Il se barrait. Non mais l'autre, il est pas venu l'autre. L'autre, il était à droite. Celui-là, par contre, il était en train de se poser à moitié dans la haie. Il est venu là comme une fleur après. Putain, je le voyais pas arriver en plus. Oh, je dis c'est mort, j'allais reprendre les implants. Là, vous voyez un impact, monsieur Deshumeur, dans le frêne. Oh putain. Un pigeon avec la clever. Oh la vache. Quelle honte! Oh, je vais là-bas, celui-là, il me fait chier. Je vais là-bas. Oh, les salauds! Putain, je peux plus le vendre. Bon, ça va, ça a ripé. Ouais, ça a ripé. Je peux te dire qu'il est quand même en plein dedans. T'as un peu plus collé que moi. Comme une pierre au-dessus, comme un caillou.
J'aurais pas dû rebouger la porte. Quand tu me fais dire à droite encore. J'aurais pas dû bouger la porte. C'est de ma faute. Non, c'est moi qui a pas, parce que je l'ai pas vu qu'il était là. Il est là-bas. C'est de ma faute. Je suis désolé, les gars. Celui-là, il devait venir. J'ai pas vu qu'il était là. J'aurais arrêté, j'aurais pas bougé le bonheur. Ça décroche. Ça décroche. Blin, comme un caillou au-dessus. Attends. Torsus, ils sont devant, comme une pierre. Les vlas, à droite, en blanc. C'est con parce que celui-là il cherche à la gueule à se poser. Ah bah oui, mais c'est... Oh le volier, mon gars. Il n'y en a pas qu'un petit peu à Christophe. Qu'est-ce que ça passe encore? À la fin, c'est... Putain, mais qu'est-ce que tu branles? Bah, je l'ouvre. Pourquoi tu tires ça à cette hauteur-là là? Bah, le premier, tu le tires pas, il part. Ouais, pourquoi on va pas tirer le premier? Moi, je peux même pas le tirer le premier. Il rentre bon, déjà, il faut même pas arriver. Il était. Il est dans les implants, moi, je peux si, pas le tirer. Si on tire, autant tirer le premier, après, t'es baisé. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que t'as été me tirer les autres derrière? Devant, je les prends, dès qu'il casse, le blanc. Devant, le blanc. Oh, il part! Oh non, c'est pas possible! Attends, il va tomber, il prend le vent. Ouais. Ça y est. J'ai pas de fusil, putain, Christophe. J'ai pas de fusil. Devant. Il s'est posé. Combien j'avais dit Axel? 25. Combien j'avais dit Axel? 24 avec 5. 25. Et puis avec 25. 25 et 25, on a tiré pareil. J'ai tiré plus. T'as vu enculé? T'as vu? T'appelles ça des coups? T'as vu? Attends, on va fouiller. Donne-moi ton dos. C'est bon. Mais... C'est t'as vu? T'as vu? Attends. 94 touches. 104 touches. On va pas en parler. Oh non. Mon dieu. Coupe. Stop. Hop. 104 touches. Sans cartouche, combien de pigeons? 20... 79. Il y en a deux à regarder en partant avec le chien. Là. Alors, il y en a un, moi, avec Christophe. Ouais. Et puis toi. Il y en a un qu'on a tiré ce matin. Oui. Et pareil, dans le même axe, là. Oui. Donc, c'est l'axe du gros frêne. Il faut monter en travers. Mais non. Là, c'est 50 pigeons aujourd'hui au clou. Normalement. Hein Axel? Sois honnête. Hein? Oh, t'as très bien tiré, Olivier. Surtout celui de poser dans le frêne. Et on notera aussi les trous dans les arbres de Monsieur Deuxhumeur. Ça c'est là. Moche. Alors est-ce que là. Je peux faire un zoom? Oui je pense. Hein. Eh Christophe, je trouve ça culotté que tu fasses un zoom sur ça. Tu aurais fait mieux de faire des zooms sur les pigeons. Eh, attends. S'il te plaît Christophe, on va faire un autre truc après. On va faire je l'ai correctement. Ah, c'est bien. Viens voir Axel. Eh, regarde.
Ah ouais, magnifique. Eh putain, on le voit bien. Eh, c'est peut-être la plus belle image. Pleinement. C'est la plus belle image que j'aurai de cette journée. J'enlève ça, j'assume pleinement. Est-ce que tu peux me filmer le frêne? Cet arbre-là est exactement à 23 mètres. Monsieur Herbin a quand même raté 4 pigeons posés dans cet arbre-là. En revanche, monsieur de Zumeur, le malin, vas-y, filme là-bas à gauche. On a raté un posé, je me fais chambrer là-bas à 48 mètres. Entrée d'arbre, donc on est à 50 mètres. J'ai tué une quand même là-bas. Oui, elle était cardiaque, elle s'est cognée contre non, un tronc. Non, 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 je l'ai tuée, elle est au tableau. Elle est au tableau. Bon, en tout cas, en tout cas, je vais vous dire une chose, on a bien rigolé. Ouais. Ah, c'était le principal, on a passé une bonne journée. C'était une très très bonne journée. Beaucoup plus à gauche. Faut quelqu'un qui me suit parce que si j'en perds un. Ah, il est là. Papa. C'est là mon papa. Viens. Moi j'achète plus la selle là. Viens. Viens mon fils. Tu vois quand tu veux. Tu l'as trouvé où ton chien? Sonia Gilbert. Ils viennent. C'est la même. Je ne connais pas Sonia. Non. Les petits castors, l'élevage des petits castors. Non. Tu vois ? Bravo ! C'est bien le loup. Ben, loulou, ben. C'est bien. Ben, loulou. Ouais, mais... On a quand même 27 pigeons ce soir. Tout ramassé. Pas un permis.